Bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 1462, on se retrouve aujourd'hui, pardon, on se retrouve pour la suite sur Resident Evil 2 avec Claire bien sûr. Et nous avions ouvert cette porte avec les pions et nous allons nous attaquer à un gros morceau je pense. Donc je voulais juste faire un test hors caméra, donc c'est ce que j'ai fait hors live. Et alors soit on récupère 28 balles pistolet avec la poudre noire, la grande, ou soit on se fait 6 cartouches d'acide et à la limite je serais tenté de prendre l'acide. Donc c'est ce qu'on va faire, et voilà, on a des munitions. Toujours plus pratique d'avoir des grenades acides. Et le reste, nous allons nous le garder pour plus tard. Alors, on va juste prendre par sécurité. Je suis pas très fan des sprays. Tiens, la cassette, qu'est-ce qu'elle fout encore là d'ailleurs? Je suis pas très fan des sprays parce que dans l'époque, ça pénalisait d'un classement, mais... On va voir là ce que ça donne. C'est parti. Peut-être prendre une herbe bleue, donc j'y suis. Allez, on y va. Je sais qu'on n'a pas tout fouillé. Mais tant pis. N'hésitez pas, hein, mettez des écouteurs comme d'habitude pour l'ambiance. Un paquet de chips, je sais pas, du coca. Une petite collation, quelque chose de bien. Oh, cool. Ça veut dire qu'on va avoir des emmerdes. Oh, il y a beaucoup trop d'herbes. Salle d'alimentation principale. On va arriver à la décharge. Oh, ça sent le boss là-dedans. Oh, ça pue. Pas d'alimentation, donc c'est ce qui me semble des fois là, l'alimentation pour activer ça. Le courant doit être coupé. C'est pas bon. Ok, je me souviens de ces interrupteurs, oui. C'était dans le sous-commissariat aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Par la recherche d'objets. Je peux pas l'ouvrir ça. Apparemment non. Ça sert juste à réactiver. Bon, ok. Juste une herbe rouge, ok. Le jeu n'est pas très généreux ce soir. Alors, tu m'expliques comment ça marche? Bouger. Ok, donc là ça nous fait, on va dire, 4 et 2. Waouh. Là c'est le contraire, 4 et 2. 4 et 1. 1 et 1. Voilà. Je vais peut-être prendre plus de munitions en fait. Oh putain! Merde! Mais attendez. Oh merde! C'est pas un extincteur quelque chose. Oh putain, c'est ce qui se passe dans le. C'est ce qui se passe dans le tramway, dans le funiculaire de base. Dégage! Merde! Rien faire là. Oh punaise. Ah
Oh merde. Un peu brûle. Alors quelle tête il a là? Ouais c'est trop facile. Oh putain c'est qu'un long chemin. Je peux même pas faire le boss comme je veux. Je me fais déjà agresser. Sérieux, qu'est-ce que tu fous là? Birkin, tu fais chier, merde. Je veux le prendre ça depuis tout à l'heure. Alors, ok, on va récapituler tout ce que j'ai ramassé parce que j'ai pris sans regarder. Ok, arme d'autodéfense. Les soins, on s'en fout. Arme d'autodéfense. Munition pistolet. Et tu sais quoi, mon gars, on va y aller avec ça. Allez hop. Oh, il est pas content. Ah, vas-y, il faut que j'appuie. Oh! Il m'a mis une tannée mon frère. Viens là, viens là. Je pense qu'à mon avis je suis pas obligé de le battre. Oh là, j'ai fait gaffe parce que s'il me fait tomber. Allez vas-y. Et où la plateforme? Waouh. Hein? Je l'ai cherché depuis tout à l'heure, c'est moi qui me la prends. Je me suis pris la plateforme dans la tronche. Mais j'ai compris l'idée. Tu crois que je faisais quoi? Je cherchais, justement. Ah, je suis deg. Alors. On était là. On appuie. On ramasse. On ramasse tout ce qu'on peut. En gros, j'ai pas besoin d'une lance-grenade. On va arrêter de gaspiller des balles. Viens, mon cœur, viens. Waouh. Là, tu m'as pas raté. Bien joué, bien joué. On fait un petit tour? Allez, viens. Fais-moi plaisir, viens ici. Tiens, et pour la peine, je vais t'en mettre une juste pour que tu... Tiens, hop. Et bah oui, c'est là. Vite, 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 vite. Active. Non, non, bouge pas, ne bouge pas. Eh zut. Hein? Te défense. Wow. Coincé. J'ai raté mon attaque. Ah, s'il me touche à chaque fois, je suis mal barré. On recommence. Ah, ça me fait chier d'avoir gaspillé des balles pour ça. Wow, wow, wow. Bon, j'ai compris quand je vais l'activer en fait. Ouais. Eh, viens vers moi, chérie. Ah, j'ai raté. Viens vite. Voilà. Ah non, c'est moi qui me le prends. Mais c'est pas vrai. Il est chaud, il me touche beaucoup en plus. Mmh.
Non. Ok, oh non. J'hallucine, il m'a chopé. Non mais sérieusement, hein? Oh, ça va pas, non? Pourquoi tu joues pas en mode facile? Direct, c'est comme ça. Allez, viens. Il est sérieux à me choper là. Depuis tout à l'heure il me chope pas et là il me chope dès que je vais le défoncer. C'est pas possible. Encore quand je perds, ça va, c'est pas de la rage que j'ai finalement sur ce jeu. La limite de perdre sur ce jeu, ça me dérange pas trop. Parce que ça va, il est pas vraiment non plus très difficile. Enfin, très difficile, mode normal est difficile quand même, mais. Je veux dire, il donne pas envie de rager quoi. Eh bien. Bon, toi, par contre, il commence sérieusement là. Bon, allez, alors là, par contre. Je veux dire que tu vas pas me choper là. Viens là, viens là. Non. Hein? Là, je comprends pas. J'étais à côté de la plateforme, enfin du moniteur normalement là. Oui, cette fois c'est bon, j'achève. Il m'a saoulé. Wow. Oh non. Où je shoot? Il est pas tombé. Oh putain, je recommence. Oh non. Où est son œil? Non.
Oh mais j'y crois pas. J'ai pas vu, dis-moi que j'ai pas mis en facile. Je crois pas, mais non. Comment je peux voir si j'ai mis en facile ou pas? C'est pas possible. Il a pas envie de rigoler le machin. Hein. Il est vraiment têtu ce machin. Wow. On va essayer de trouver son pattern. Reste là, chérie. J'ai raté. Hey, tu m'as grave touché. Putain. Quoi ça? Ah, peut-être que je blesse comme ça quand je le fais tomber. J'ai une petite surprise pour toi. Oh, je suis mort. Mais il est sérieux. Mais il est sérieux le machin. Pourquoi il me chope? Facile. Arrêter parce que à mon avis j'ai un problème avec le mode facile. Ah non. Ah mais j'ai pas passé une demi-heure sur ce boss, merde.
reviens. Je vais essayer de la mocher. Oh les bains. Il va me faire défoncer. Ouf. Ah, je suis toujours en mode attention, il me fait pas mal en fait. C'est quoi cette merde? Vas-y, cette fois, t'en récharperas pas, mon pote. Aïe. Hein? Oh, bien résisté. On va recommencer direct. Oui, ça recommence. Raté. Oh, il se déchaîne. Oh punaise. Oh, il est chaud. Là, c'est pas trop mal. Vas-y, viens. Ah, j'ai déjà appuyé. Oh non. Oh, j'hallucine. J'ai fait une boulette. Il est rapide. Oh, j'aime pas. Pas grave, viens chérie, viens. C'est là. Je crois que j'ai de pétage tout de suite. Ah bah il était temps. Ouf, oh, il m'a saoulé lui. Je suis désolée chérie. C'est plus long que prévu. Bon, par où le sort?
Bon, du coup, on va faire un épisode beaucoup plus long, hein. On est qu'à 25 minutes alors qu'on n'a pas fait un quart d'heure de jeu. Allez, on va le pousser à 50, 55 minutes. Où suis-je? Ok, je reviens là. Donc là, c'est là où il y a Chérie, normalement, la décharge. Maman est là. Chérie? Chérie, est-ce que tu m'entends? Bon, elle est contaminée, oui. Comme dans l'original. Chérie? Claire? Chérie, est-ce que ça va? Ouais, c'est foutu. Qu'est-ce que tu fais? Je viens l'aider. Chérie a reçu l'embryon. On ne peut pas la sauver. Non mais vous vous foutez de moi! Vous êtes sa mère! Alors venez ici! Tu ne comprends pas! William est toujours en vie, et si je ne l'arrête pas? Ça suffit, j'en ai assez entendu! Attends. Attends. Je peux la soigner. Dans mon labo. C'est pas loin d'ici. Maman? N'a pas le temps. Des millions de vies sont en jeu. Chérie, maman t'aime, trésor. Adieu. C'est pas possible, je rêve. Chérie, t'en fais pas. Je vais trouver ce dont tu as besoin. Pourquoi tu fais tout ça? Je tiens à toi. Merci, Claire. Ok, donc phase d'escorte, pas d'armes, rien. C'est où? Merde, j'ai oublié de prendre des munitions, le con. Ah, j'ai oublié de prendre des balles de mitraillette, le con. Bon, c'est où le labo? Faut prendre la plateforme, je pense. Ahmed a dit que son labo n'était pas loin. Attends, le funiculaire. Tiens bon, chérie. Tout va s'arranger. On y est presque, chérie. On y est presque. Super. Le funiculaire. J'espère que j'ai rien oublié. On pourra pas revenir. Ouais, justement, j'ai oublié un truc. 80 balles, c'est pas rien. Et je sens que je vais en avoir besoin.
On peut y aller. Donc on nous dit on pourra pas revenir. Donc c'est la dernière phase, on pourra pas revenir. Putain, là-dedans y'a rien. J'ai pas vu beaucoup de monsieur Raccoon là. Est-ce qu'il y a monsieur Raccoon dans le coin? Ok. On part pour le labo. Alors, est-ce que comme l'ancien, est-ce que comme le classique, on va avoir droit à nos fameux zombies à poil? Telle est la question. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Il paraît qu'elle porte chance. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu plaisantes? Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Vraiment? Pourquoi? Il est joli. Ma mère me l'a donné pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que... ta mère s'en fiche, mais... Hey, chérie, viens. Tiens bon, d'accord. Vous êtes arrivés au Nest. Ça va aller. Je suis là. Allez. Je vais te soigner. Tiens bon, chérie. Ça va aller.
votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Allez, c'est parti. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Umbrella. Pour votre sécurité, pas, là. Veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Ah, notre fameux labo. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Wow, ils l'ont tapé le machin. Ah, oh, c'est classe. Bon, je pense que là, c'est une salle de repos. Non, on peut pas. Ah, c'est celle-là, ok. On va déposer Chérie ici. Non, même pas. Merde, ils ont tout changé. Allez, là. Ok. Et voilà. C'est bon. Et maintenant ça va peut-être m'en dire plus. Agent antiviral, c'est ça. Y a pas de doute. Hey, chérie, je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens vite. C'est promis. Tu m'étonnes que je vais le prendre. Niveau 1. Bon, c'est parti pour la lecture. Important, alerte à tout le Nest. En raison d'un incident dans la zone nord, tout le personnel du Nest doit s'auto-administrer l'agent antiviral Devil immédiatement. Le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Si vous avez été contaminé par le virus G, demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et détruire les cellules G dans votre organisme. Cet email est généré automatiquement en cas d'urgence. Veuillez ne pas répondre à ce message. Ok. Donc le Devil. Ah, par contre, vas-y, donne-moi des munis. Le plan du labo. On va voir si c'est le même. On verra. Ok. Brassier d'identification. Ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces. Pour entrer sur le site et en sortir, et pour manipuler certains équipements, les employés doivent utiliser un bracelet d'identification. Il existe trois niveaux d'accès visiteurs, employés, cadre supérieur. L'authentification se fait grâce à une puce électronique située dans le bracelet. Le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente. Ça, c'est cool. Des bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés. Adressez-vous à la réception pour en savoir plus. Et ben, on va y aller à la réception. On va aller se plaindre parce qu'on n'est pas contents, les gars. Ça, à la limite, je vais la garder. Ça, on va déposer. On va continuer au pistolet, aux grenades. Ça, on dépose. On garde. Le bracelet, pareil. Ça, on va le pouvoir jeter. La clé des égouts. Il y a une zone que j'ai pas dû faire. Le couteau, c'est pareil, on garde. On va rester comme ça. On est des fous, nous. On se promène pas avec grand-chose sur nous. C'est parti. Journal de salle de repos. Alors, arrivé machin, départ, ok. Et départ. Oh, y a un truc à faire avec des codes. Là, il va falloir un cadre ou quelque chose comme ça. Il y en a qui est encore là. Wayne Lee. Attendez. Wayne Lee. 18551.
On va finir ici. Est-ce que j'ai des choses à récupérer? C'est quoi ça? On sait rien. Bon, c'est pas pour se barrer, ça, on dirait des portes vraiment blindées pour les urgences. Ça, si c'est là, c'est pas pour rien par contre. Hein. Je me demande si ça va pas être la fin. Bon. On y va, je sais pas par où je commence. Là, à mon avis, c'est un niveau 2. C'est ça. Cette zone est réservée au personnel habilité. Les visiteurs sans ne déconner. Sont pas autorisés à entrer. Sans déconner. Lumière. Cafétéria, cuisine, salle de sieste. Ok, il y en a un qui est dans la salle de sieste. Salle de repos. Wow. Niveau 2, je suis pas à la droite par contre. Cafétéria. Oh ouais, pas mal de sang. Il y a mon cœur. Il est pas seul, hein. Oh joli. Oh, une balle un kill. Alors là, celle-là. Il y en a qui se fait plaisir ou quoi là? Il est où le festin là? Putain. Il va coucher, merde. On va la laisser manger. On va éviter de déranger les gens. Notre menu basé sur nos recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection. T'as mannequin que tu bouffes ou... En fait, quand ça bouffe, c'est con, là. Oh. Couché, monsieur. Ça bouffe encore, c'est bon. Non, 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 non. On peut y aller. Là j'arrive dans la salle sécurisée normalement. Dans la cuisine. J'avais pas vu ça, c'est quoi ça? Cartouche, hein? Oh, enfin j'y retourne.
Que celles sont là? Non, elles sont là. Ça, par contre, là, c'est à côté. Alors. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger? Ah, ça c'est cool. Essayez de pas faire de bruit. Vas-y, essayez. Logiquement, j'ai un niveau 2 dans le coin. Ça, c'est cool. Ça, c'est le bracelet de niveau 2. Attends, toujours un ennemi. C'est quoi ça? Ah, un condensateur. Ah, ça, c'est cool. Ah. Faut une pièce. Je peux rien faire de spécial. Voilà. Oh non. Ah, du coup, lui, il me gêne. Joli, hop. Ça c'est réglé, faudrait que je retourne dans la cafette. Que là il y a un truc qui m'intéresse. Ah oui, là. Cartouche à aiguille. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est. Ouais. C'est bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça déjà. Alors. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même des grenades. Le fusil électrique. Déjà. On combine avec ça. Ça, du coup, je recharge, non? C'est bon. À la limite, je garderai bien un peu avec moi. Bon, on va ranger ça. Alors, on range ça. On range. On va quand même garder une arme de chaque sur soi. En munitions, là j'ai quoi? 160 pistolets mitrailleurs. On va le garder pour la fin. Poudre. Je pourrais faire des grenades acides facilement. On va s'en faire. On va profiter qu'on a de la grande poudre noire. Ah, et si j'associe deux grandes poudres noires, à mon avis, ça fait des munitions spéciales pour pistolet. Ce qui est pas plus mal. On va peut-être les garder. Ouais, on va rester comme ça. Voilà les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé, même s'il y a eu pas mal de morts. Bon, on a poussé l'épisode du coup. Partie de la sauvegarde, oui, on sauvegarde.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines aventures de Resident Evil, bien sûr, et autres jeux. N'hésitez pas non plus à liker, à partager les vidéos, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, donc pour la suite dans ce merveilleux labo d'Umbrella, qui sent la fin de l'aventure de Claire. Voilà. Allez les amis, sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.